Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener à la rencontre de deux grands musiciens des marais du Pays de Ré, en Loire-Atlantique. Il s'agit de Ronan Le Gourierec et François Robin. C'est parti pour la balade. Les voilà. Bonjour. Ça va Ronan? Ça va François? Eh bien, j'arrive. Merci beaucoup François. Ah, là, c'est... Un peu plus sur le... Ça passe, ça passe. Moi, je me suis demandé comment on pouvait définir votre musique. C'est une musique traditionnelle. Oui. On est tous les deux issus de la musique traditionnelle. Mais après, nos parcours ont fait... On fait en sorte qu'on a été amené à rencontrer d'autres musiciens, ouais. D'autres esthétiques. Tous les deux, on joue de deux instruments traditionnels, on va dire locaux, du coin. Oui, alors Donc moi, je joue de la veuse, c'est une cornemuse. Voilà, c'est un biniou en fait. Oui, enfin, c'est une cornemuse. Donc le biniou, c'est une cornemuse, mais celle qui vient vraiment d'ici, là, de ces marais-là, c'est la veuse. Voilà. Ah, j'ai perdu la rame, par contre. Merci beaucoup. Moi, je joue de... La bombarde. De la bombarde. D'accord. Donc c'est un hautbois ancien. Ça fait du bruit, ça, la bombarde, hein, Ronan. C'est assez sonore. Ah oui, c'est sonore. Mais on joue doucement aussi. J'essaye de tirer le maximum d'éléments musicaux nouveaux, créer des univers sonores à partir de ma veuse, en mettant de l'électronique. Et moi, je suis plutôt sur la partie acoustique, donc je n'utilise pas du tout d'électronique, je cherche plutôt des sons en changeant la position. Attends, parce que là, je me suis juste inversé. En tout cas, une musique qui, n'en doutons pas, bien sûr, est largement inspirée, je pense, par le territoire, par les marais. On sent ici, on voit des choses magnifiques. Je voyais tout à l'heure, peut-être, on peut faire un petit plan sur les terriers qui sont là. Je pense que c'est des marmottes ou des castors, je ne sais pas exactement. Des ragondins, plutôt. Dans le spectacle, il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a de la vidéo. C'est pas comme un film. D'accord. Oui. De toute façon, les gens, ils nous voient déjà. Ouais. Donc, on n'a pas besoin de rajouter une vidéo en gros plan sur les pieds. On peut dire aussi que, après tout, les gens n'ont qu'à aller au cinéma s'ils veulent voir un film. Hein? Ouais. Les chemins de pierre. C'est ici, dans ce grand bâtiment qui s'appelle La Fabrique, au lieu culturel de la ville de Nantes, que eh bien, se fabriquent justement les morceaux des allumés du chalumeau. Bravo François et Ronan. Alors c'est amusant parce que sur ce morceau, donc là vous êtes en répétition, à travailler, et c'est marrant parce que dès le début, la première note, on a eu l'impression d'un gros canard hein, quand même, hein, vraiment, hein, c'était mal parti, je me disais là, ils sont en train de se griller de tout le milieu breton, et puis ça se rattrape bien après, il y a des jolies notes. On improvise les notes ensemble, donc on ne sait pas du on tout réagit en fonction de ce que fait l'autre. Donc la première note peut avoir une dissonance. Et si on reste sur la dissonance, nous ça nous dérange pas, ça. On peut chercher ça à un moment donné aussi. Ouais. Et après on va vers la consonance. Parce que la musique c'est fait de ça, de tension et, tension, et puis consonance. Fin de la répétition des allumés du chalumeau. Merci Ronan, merci François. Mais je me disais, est-ce que ça vaudrait pas le coup quand même, dans ce genre de musique, d'adjoindre de temps en temps dans la structure un refrain que les gens puissent chanter pour que ça le répertoire qu'on joue, même si ce sont des compositions,
Il est issu des musiques traditionnelles, dont on est vraiment inspirés tous les deux. Et c'est issu d'un répertoire chanté, dans lequel il y a un refrain, un couplet, un refrain, un couplet. Donc si on écoute, ce sont quand même des musiques assez répétitives. Et voilà, il y a toujours un retour sur un refrain. Si on écoute un petit peu, on entend le refrain, il est là. Ah. Mais il est joué, il n'est pas chanté. C'est prenant, hein, je veux dire, on est, dès le départ, on est notamment dès les premières notes, hein, on est pris hein, là-dessus. Là, je me disais juste avoir un petit un ridondon, ridondaine, là, qui, hein, pour chanter, pour que les gens chantent. Vu les critos, alors je dis chut parce que ici on ne doit pas parler fort, on est dans les loges juste à côté du podium. Ce soir il y a le grand concert de François et Ronan des Allumés du Chalumeau, la loge. Donc on va se diriger sur le podium, ils sont en train d'installer, de passer les fils sur le podium, tous les spots vont être réglés pour ce soir, c'est très important. Alors on va essayer d'aller voir François qui est là-bas, qui... Ronan. Ronan qui passe. Non, c'est pas un terrain de camping. Ce sont des gonfleurs, effectivement, mais ils les utilisent pour les besoins de la musique. Et puis François qui est donc en train de réaliser. Qu'est-ce que c'est que ça, François? On fait un tour de magie ou quoi? On est magicien? C'est Garcimore. Hop là, abracadabra, on se retrouve devant la caisse qui est en réalité une sourdine. C'est François qui va nous expliquer tout ça. Oui, effectivement, ça c'est une sourdine. Donc moi, à un moment donné dans le concert, comme voilà, on travaille vraiment sur les modes de jeu à partir de nos instruments. Moi, j'avais envie d'avoir un son de cornemuse, mais dont on baisse le volume vraiment. Et comme ça, François, quand tu répètes chez toi, les voisins ne portent plus plainte. Exactement. Allez, on continue. Et cet arbre assez étrange, on dirait une flûte de pan après un accident, c'est très étrange. Qu'est-ce que c'est alors, Ronan, tout ça? Comment ça fonctionne? C'est un arbre à bombarde, avec des bombardes à une note. Et du coup, je ne souffle pas dedans et c'est des gonfleurs qui me permettent d'envoyer l'air pour faire vibrer l'anche. Les anches qui sont faites en roseaux. Roseaux des marais, marais, bien sûr, des marais du Pays de Ré. Eh bien, Ronan, François, je ne vous dérange pas plus longtemps. Hein, vous finissez d'installer. Je vous dis à ce soir pour le concert. Et puis, comme on dit, merde. Merci. Voilà, ça vient de se terminer, le concert des Allumés du Chalumeau, c'est franchement quelque chose. Bravo François, bravo Ronan aussi. Alors Ronan qui a la particularité, vous avez dû remarquer, d'avoir les cheveux qui poussent avec le trac, c'est étonnant, c'est lui qui me l'a dit, donc je pense que c'est vrai. Alors on va tout de suite les rejoindre en loge, venez messieurs. Hé, j'ai le droit. Bravo messieurs, vraiment, bravo. Merci. Bravo François, parce que
T'as tout déchiré, j'ai envie de dire. Ronan aussi, vraiment. Hey, Ronan, quand tu fais le moustique, là, oh, c'est bon, ça. Il fait le moustique avec la bombarde. Bah, tu sais, tu joues avec, toi. Ouais. Oh, c'est excellent, j'adore. Mais par contre, pour que ce soit plus marrant et tout, hein, parce que je pense que quand même, faut que ce soit plus marrant, hein, quand même, peut-être rajouter un costume de moustique en mousse. C'est qui fait votre mise en scène, là, sur le spectacle, là? Nous, on a travaillé avec un metteur en scène qui s'appelle Philippe Chasseloup, qui est un chanteur canadien du pays nantais. Connais pas l'animal. Mais vraiment, non, parce que là, d'ici 2-3 ans, mais vous faites des zéniths et des machins, là, ça décolle, votre affaire. Là. Ça y est, là, ça va marcher. Mais nous, justement, ce qu'on aime, c'est jouer devant des petites jauges. On fait des concerts chez l'habitant ou des petites jauges jusqu'à 200 spectateurs. Eh oui, 200 spectateurs. C'est pas un spectacle qui est calibré pour le zénith. En attendant, voilà, on va se quitter là-dessus. C'était Les Chemins de Pierre. À bientôt. Que sur la partie acoustique, donc je modifie avec Je m'en rendais compte en même temps, je t'écoutais parce que ça m'intéresse beaucoup. Tradition en nous, on est issu de cette culture-là. Ouais, on passe. Enfin, qu'on passe l'interview. C'est dommage. Excusez-moi, ça fait beaucoup rire. Puisque vous avez, je crois, sur scène un computer à laser, enfin un ordinateur électronique. Hein, avec Ronan Le Gourguérec et François Robin, ça c'est sûr, désallumé du chalumeau. J'apprends toujours à ramer. Bien sûr, ça n'est pas évident. Pierre Grandpiron.